Lucie Caillère, je suis gestionnaire d'organismes à but non lucratif depuis plusieurs années. J'ai choisi ce programme déjà parce que c'est un programme qui est professionnalisant. Ça m'a permis, avec mon expérience, d'avoir été sélectionnée pour ce programme. Puis c'est un programme qui est flexible. J'ai, pour ma part, pu intégrer deux cohortes pour finir mon programme sur plusieurs années. Puis c'est aussi un programme qui est donné à temps partiel, qui est donné les fins de semaine. Donc ça permet d'allier la vie professionnelle, la vie familiale, puis la vie étudiante. Donc c'est un programme très facilitant pour pouvoir œuvrer comme gestionnaire tout en allant à l'école et approfondir des connaissances. Ce que j'ai particulièrement aimé de ce programme, c'est que j'ai beaucoup appris sur l'histoire du mouvement coopératif, du mouvement social, des entreprises d'économie sociale au Québec, et ça m'a permis d'inscrire mon action dans le secteur et de mieux comprendre, de mieux lire les systèmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a allumé beaucoup dans ce programme. J'ai beaucoup aussi aimé rencontrer des personnes différentes. Ça a nourri mon parcours d'apprentissage dans le programme, notamment les gens qui ont fait partie des petites cohortes avec qui j'ai pu collaborer, mais aussi les enseignants qui font encore partie de mon quotidien de gestionnaire d'OBNL. Ce programme a apporté des outils concrets dans ma pratique de gestionnaire. C'est des allers-retours entre la théorie et la pratique qui sont des étapes importantes pour moi pour garder un apprentissage tout au long de la vie, puis pour nourrir le parcours d'apprentissage dans le programme. Ça me permet d'avoir des bases beaucoup plus solides dans ma vie de gestionnaire au quotidien, puis ça m'a permis de mieux définir mon identité professionnelle. J'invite toutes les personnes qui ont envie de construire un monde plus juste, plus solidaire, plus équitable, à s'inscrire à ce programme, à faire de belles rencontres et à s'engager pour s'outiller et mieux œuvrer dans le secteur des organisations à vocation sociale.